Salut, c'est Corsair, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, voilà, petite vidéo rapide hein, sur le numéro 2 de la collection les véhicules légers sapeurs-pompiers de chez Hachette. Alors hier, j'ai fait la vidéo du Skeletor de chez Altaïa. Je vous invite à aller voir la vidéo pour avoir mon avis dessus. Hein. Alors ça, voilà, ça vaut 7,99€. Donc 1€ de plus que le Skeletor. Pour un véhicule en métal ou un 43. Les autres numéros de la collection sera 15,99€. Frais de port offert. Donc on reste dans le tarif 1€ de plus qu'un motu. Alors j'aime bien les camions, les petits véhicules. Voilà. Alors je ne prendrai pas toute la collection parce que tout ne m'intéresse pas. Mais bon, si je passe en prêt, c'est que je tombe sur un véhicule sympa. Il y a de fortes chances que je le prenne. Hein. Et voilà, le petit Saviem là me plaisait bien. Donc à 8€ de toute façon. Alors pareil, système d'abonnement. Alors voilà, le numéro 3, c'est le Land Rover. Je crois qu'il est offert avec l'abonnement. Bon, on a différents cadeaux, la plaque, le premier classeur. L'hélicoptère sera offert aussi. Voilà, donc tarif 15,99€, tarif normal, frais de port offert. Voilà un peu ce qu'on va trouver dans la collection. Alors il y a de l'ancien hein, avec le HY, du très récent avec le Sprinter. Donc ça peut apparemment vraiment toutes les époques. Hein. Ça c'était le numéro 1, l'ambulance, le J7. Et puis bon, le fascicule, voilà. Donc, la présentation du modèle de collection. Cabine ouverte ou fermée. Bon, ça, c'est un véhicule beaucoup plus récent. Voilà, donc, un peu toute l'histoire de ce camion. Ah, la fiche technique. Donc pour ceux qui sont vraiment fans de véhicules de pompiers, vous avez toute la fiche technique. Hein, avec la liste des différents équipements, la fiche technique de la base châssis. Donc ça c'est plutôt cool. Un peu d'histoire véhicule d'intervention, donc le fameux Canadair. Camiva, un géant français. Donc effectivement, voilà, donc cet engin est une base de camion Saviem, donc une cabine moteur châssis Saviem. Et donc si je comprends bien, voilà, c'est Camiva qui a fait tout l'équipement spécifique pompier dessus. Les véhicules de pompiers, c'est ça. C'est en gros, on a un châssis de base sur lequel on vient installer tous les équipements en fonction de la demande des différents casernes. Voilà, d'ailleurs, on voit ici Camiva Berlier. C'est bien, ça prouve bien que voilà, Camiva c'est le préparateur. Un peu d'histoire. Voilà. Les sapeurs-pompiers, bon, ça c'est beaucoup plus moderne. Hein. Ouais, le fascicule est plutôt sympa. On a les infos sur, sur le véhicule et puis sur, sur différents éléments voilà, des pompiers. Bon, la raison pour laquelle j'ai pris ce numéro, donc le camion. Alors, première vue, voilà, métal et plastique. Bon, la cabine est en métal. Bon, tout le reste du châssis semble être en plastique. L'équipement derrière, c'est du plastique également.
Moi, je trouve qu'il a une super gueule, hein. Bon, ça a l'air assez fragile, hein. C'est de la collection, hein. Mais c'est joliment détaillé, hein. On a les plaques ici alu antidérapante, des tuyaux, on a la petite plaque d'immatriculation derrière avec la pompe, des vidoirs, alors qui est fixe, hein, bien sûr. Voilà les couvercles de réservoir pour la citerne, apparemment. Le petit gyrophare bleu qui va bien, la roue de secours ici. Les inscriptions sur la portière, donc voilà, sapeur-pompier des Vosges. Le fameux 18, hein, le numéro des pompiers. Des beaux détails, voilà, même sur les roues, hein. Ah, les pneus sont séparés et c'est des pneus gomme, hein. Voilà, donc le pare-buffle à l'avant. On a l'intérieur également qui est détaillé avec les sièges et tout ce qu'il faut. Un petit tour en dessous avec le châssis. Avec son pot d'échappement, son arbre de transmission, ses suspensions. Réservoir, enfin tout ce qu'il faut. Celui-là, 8 euros. Il n'y a pas photo, ça les vaut. Et même, voilà, cette collection-là, même pour les 15 euros, vu le niveau de détail. Vu le niveau de détail pour des véhicules à 43 comme ça, je trouve que c'est vraiment, vraiment pas cher. Alors, je ne ferai pas la collection, comme je l'ai dit, parce que tout ne m'intéresse pas. Mais à l'occasion, voilà, si j'en chope de cette collection-là, même à plein tarif, ben, je vais pas me priver. Parce qu'honnêtement, ils sont vraiment stylés, hein. Bon, voilà, la vidéo terminée, hein, vous me dites dans les commentaires ce que vous pensez de cette petite collection, de ce petit Savième. Puis moi, je vous donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!